Justin Ngbangoude, c'est que l'issue est connue, tout finira par finir. Tout finira par finir. Okay. Et puis là aussi, il faut rappeler aux téléspectateurs que derrière un événement, il y a toujours un message. Mm-hmm. Il y a toujours un message. Mais vous avez vu, dès les premiers siècles de notre existence sur la Terre, et pour la petite histoire, c'est que notre Terre, ça fait à peu près 5 millions d'années que nous sommes là. Oui. Ça fait près de 5 millions d'années que nous sommes là. Or, la Terre elle-même, du point de vue, ça a duré, ça fait près de 5-6 milliards d'années. Oui. Et nous, la vie est apparue sur notre Terre il y a environ 5 millions d'années. Et nous avons déjà connu 4 grandes pandémies. Mais ça veut dire un message. Et c'est aussi une autre loi. Quand un événement se présente à vous, c'est que forcément, il y a un message, une leçon, un enseignement que vous devez forcément tirer. Et voilà. Maintenant, si vous refusez, ça va revenir toujours sous les formes différentes. Et c'est pour ça que nous disons, il ne sert à rien de fuir un problème. Parce que fuir un problème, c'est une bataille qu'on ne gagne jamais. Un problème qui a été mal résolu, ça va générer un problème plus compliqué, plus coriace et plus difficile à résoudre. Maintenant, vous ne le résolvez pas quand cela va arriver, ça va se compliquer davantage. Mais toujours est-il que, tant que vous n'avez pas saisi le message, ça ne sera pas heureux pour vous. Voilà. Alors, par rapport à ce message, si vous m'en donnez l'occasion, je voudrais rappeler aux hommes de la Terre, aux femmes qui peuplent la Terre, que les pandémies antérieures, comme la pandémie actuelle, portent le message suivant. Sortir les hommes de la souffrance et aller à une vie heureuse sur la terre. C'est le premier message. Sortir les hommes de la souffrance et ensemble avec eux, aller à une vie heureuse sur la terre. Le deuxième message, c'est qu'il faut tout quitter. Il faut tout déconstruire pour tout reconstruire. Parce que vos schémas, vos scénarios que vous avez mis en place, vos modèles que vous avez mis, tous les paradigmes ont déjà montré la limite. Et vous regardez même, je dis bien, vous regardez, et ça, je crois que je vais me référer à mon ouvrage, si vous m'en donnez encore l'autorisation. Allez-y. Je disais, il n'y a pas si longtemps, vous regardez les chefs que vous admirez pour leur attitude publique. Ils sont souvent de pauvres gens dans l'intimité. Vous les regardez, ils sont tout ça. Et telle foudre de guerre transportant des bombes au-dessus des populations innocentes tremble d'effroi devant la maladie ou les fantômes qu'engendre son cerveau. Donc c'est comme ça. Donc vous devez savoir en fait que vous ne représentez qu'un micron de notre existence. Et à ce point de vue, vous êtes dans un univers très vaste. Mais vous ne pouvez pas dépasser. Si vous dépassez 90 ans, vous dépassez 100 ans, vous êtes totalement inutile. Voilà. Oui, vous êtes totalement inutile. Mais pourquoi vous allez prendre toutes ces années à faire du mal? Pourquoi vous allez prendre toutes ces années à vouloir détruire l'existence des autres et même compromettre l'existence de notre planète Terre? Donc c'est pour ça que le message que nous, métaphysiciens, de toute façon, des initiés de l'accomplissement humain, ce que nous avons décodé, derrière les pandémies d'avant, comme celle actuelle, c'est tout quitter, tout détruire pour tout reconstruire. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, cesser de tromper l'homme. Je dis bien, cesser de tromper l'homme. Vos mensonges, c'est trop monstrueux. Vous mentez trop. Et il y a un jour, dans une discussion entre métaphysiciens, quelqu'un attire mon attention, il dit, mais quand on dit gouvernement, vous ne voyez pas ce que c'est? Gouverner et mentir. Il dit, mais c'est vrai, tu as raison. Gouverne et ment. C'est ça le gouvernement. Il dit, parlement. Regardez, maître, il dit, parle et ment. C'est trop monstrueux. Et quand vous prenez aujourd'hui, il y a tellement de manipulations. Derrière cette pandémie, on ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui dit faux. Au point que les hommes sont totalement troublés. Dans les services, dans les entreprises, les gens ne se font que saluer avec les coudes. Je ne sais pas si vous le voyez. Bien sûr. Ou se tapent les pieds pour dire qu'ils se saluent. Ça, c'est quelle valeur, ça? Ce n'est pas une valeur. Dans les circonstances même les plus difficiles, c'est que l'homme doit aller au secours de son prochain. Dans les circonstances même les plus difficiles. Et vous regardez une mère qui ressent son enfant. Cet enfant tombe. Cette mère va se jeter là-dessus pour pleurer. Pour soulever, même si c'est un cadavre. Mais vous dites à ces gens-là,
éloignez-vous les uns des autres. Vous détruisez, je dis vous détruisez notre existence. Et il faut un grand travail maintenant pour réaménager les valeurs existentielles. Et après le confinement, après le passage même de cette fameuse pandémie, mais vous aurez même des problèmes d'intégration sociale. Donc ça veut dire, quand on dit il faut tout quitter, il faut tout détruire pour tout reconstruire, c'est un message important. Troisième message, je l'ai répété tout à l'heure, cessez de tromper l'homme. Cessez de faire passer des échecs pour des victoires. Et cessez de faire passer des amis pour des ennemis. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais ensuite, on dit, fini, et c'est ça le quatrième message. Fini l'achat des chefs. Fini les fabrications de légendes. Fini les procès d'imposture. La terre en a marre. Notre terre en a marre. Cinquième message, réhabiliter l'homme. Je dis bien réhabiliter l'homme. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller à l'école de la vie. Et aller à l'école de la vie, c'est pour étudier les causes de vos souffrances, apprendre à vous éloigner de la peur, des émotions primitives, des réflexes animaux et de la paresse intellectuelle. Et puis enfin, le dernier message, c'est d'édifier un monde où les hommes vivent mieux, gèrent eux-mêmes leur destin, assument pleinement leurs devoirs citoyens et jouissent de leurs droits civils et politiques. Si vous allez dans ce sens, vous verrez que la pandémie que vous avez aujourd'hui, comme c'est l'avenir, elle ne viendra plus. Vous mettrez fin assez rapidement. Et c'est pour ça que vous me permettez que j'envoie des messages à l'endroit de tous ceux qui peuplent notre terre. Et je vais commencer par d'abord dire à ceux qui pensent qu'ils sont les seuls à engendrer des préconisations pour freiner la pandémie et éradiquer le virus, je voudrais juste leur rappeler qu'il est totalement absurde de combattre un ennemi invisible avec des moyens exclusivement visibles. Non, c'est absurde de combattre un ennemi invisible, que vous savez invisible, mais avec des moyens exclusivement visibles. Ensuite, à l'endroit des gouvernements, à l'endroit des États à économie faible et fragile, parce qu'il y a des États sur la Terre dont l'économie est faible, dont l'économie est fragile. Je voudrais appeler leur attention sur un fait. C'est votre avenir qui se joue. Je parle de ces États, je parle de ces gouvernements. C'est votre avenir qui se joue. La crise actuelle a des dessous géopolitiques et géostratégiques. Évitez les solutions et les mesures qui vous emporteront dans les flots de la grande confusion qui s'installera bientôt. Je dis bien, évitez le snobisme et les mesures qui vous emporteront dans les flots de la grande confusion qui s'installera bientôt. N'avancez pas la tête baissée derrière une communauté dite internationale au mépris de la vie de vos populations. N'appliquez pas aveuglément des mesures qui vous seront dictées. Éloignez-vous des mesures qui compromettront la santé de vos populations, la santé des populations de vos pays respectifs. Ne faites rien pour compromettre l'existence de notre planète Terre au sein de notre galaxie solaire. La vie est précieuse et sacrée. Vous avez le devoir de la protéger et vous avez le devoir de la défendre à travers vos mesures et actions. Ça, c'est à l'endroit des gouvernements et des États. Maintenant, à l'endroit des populations qui vivent dans les pays d'y développer. Ok, on y va. La crise en cours vous a montré dans sa nudité l'impuissance et la faiblesse de vos États. Vous avez toujours dit, ah moi je suis américain, je suis machin, non. Ça vous a montré la nudité et l'impuissance de vos États. Vous avez découvert avec une brutalité rare les conséquences des mesures qui vous sont imposées. C'est votre avenir et celui de vos pays qui se joue aujourd'hui. Abandonnez vos clichés d'hier. Abandonnez les clichés de puissance et de superpuissance auxquels on vous a habitué. Apprenez maintenant à réaménager
vos valeurs existentielles. Apprenez à sortir de vos sentiers étroits pour une coopération plus dynamique, plus honnête et plus sincère. Je parle ici au peuple des pays que l'on a abusivement appelé puissant ou super puissant. Non, il n'y a pas un pays aujourd'hui face à ce petit machin. Un pays qui va se dire super puissance, machin, non, pas vrai. Maintenant, l'endroit des hommes et des femmes qui peuplent notre terre, sans distinction de race, sans distinction de condition sociale, sans distinction d'appartenance religieuse, j'ai une invite. Je vous invite à suivre tous les conseils qui vous sont donnés par les autorités sanitaires de vos pays. Restez calme. Soyez rassurés que tout finira par finir. La pandémie de la peste est conjuguée au passé du fait des hommes. La pandémie du Covid-19 passera aussi. La pandémie du choléra est conjuguée au passé du fait des hommes. La pandémie du Covid-19 passera aussi. La pandémie de la grippe espagnole est conjuguée au passé. La pandémie du Covid-19 passera. Soyez tous mentalement forts pour y faire face. Soyons mentalement forts pour y faire face. Voilà pour les différentes catégories ou les différentes couches d'hommes et de femmes qui peuplent la terre, les institutions, les organisations. Mm-hmm. Voilà ce que je voudrais leur dire. Voilà. Merci beaucoup. Il faut tout quitter. Oui. Il faut tout déconstruire pour tout reconstruire. C'est important. Réhabiliter l'homme, c'est important. Merci Maître Justin Ngwahoundé. En tout cas, merci pour ces conseils, ces messages à l'endroit de tous les hommes qui peuplent la terre, vous l'avez dit précédemment, à l'endroit de ces superpuissances, à l'endroit des pays sous-développés également, et à l'endroit de tous ces hommes qui peuplent la terre. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maolin Justin Ngwahoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maolin Justin Ngwahoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.